Jodi an 16 septembre 2024, men gwo point kap domine aktualite ya. Nan domen imigrasyon an pil kritik kont program Biden nan, ta semble gen yon mank de komunikasyon antre gouvenman epi employe kap travay nan USCIS yo. Ta semble employe nan USCIS yo pa konen si program nan redemare. Se ta rezon sa koz an pil moun pa resevwa travel autorisation. Mesdames et messieurs, donc depuis le programme a démarré, son seul green haïtien qui rivé approuvé. Malgré le rivé approuvé, mais pas li parents li ou bien sponsor li pas recevoir une notification qui demandait le faire fingerprint. Gen pile cause nous pral parler là, nous gagné Anthony Blinken qui était en Haïti hier qui est offri qui promet une autre aide de 45 millions de dollars pour Haïti encore et qui fait un pile gros révélation sous l'agent Haïti lui-même, lui déjà recevoir nommé. Mesdames et messieurs, et nous gagnons également, pendant que nous parlions, c'est même hier, nous venons connaître, bien quantité de policiers Kenya, tout le monde connaît qui est dans le pays, ce n'est pas quantité ça qui est dans le pays. Avant de développer l'information, je me pose une question ça, et puis répondre pour moi en bas vidéo, voilà, avant d'entendre des réponses là. Combien de monde ou connaît, combien de policiers Kenya? Selon information qui a circulé, selon sa gouvernement, dit combien de policiers kenyans ont connecté rentré en Haïti. Dans la première étape, combien ont dit qui étaient rentré. Et dans la deuxième étape, combien ont dit qui étaient rentré. Donc, si vous mettez 200 ensemble, combien la barre? Et tu as l'embraldi ou combien ont dit qu'il y a sous pour fin d'andel. Et nous avons petit Joe Biden, qui est Hunter Biden, monsieur plaide coupable dans un paquet de chefs d'accusation. Côté que M. Capran a environ 17 ans de prison et il a payé 1,35 million de dollars comme amende. C'est petit président Joe Biden. Et dans Georgie, ou bien dans Georgia, nous gagnons et papa, jeune garçon qui a 14 l'année, qui fait premier tir de Maslan. Mais il a arrêté papa, monsieur. Et papa n'a pas de papa Cold Quay. Il a arrêté papa, monsieur. Plus de détails à venir. Également dans la vidéo, si là, ancien président Donald Trump, donc monsieur A, mettons l'autre fois encore sous côté préparatif traditionnel débat avec un président, candidat à la présidence Kamala Harris. Nous avons pile dossier côté Texas poursuivre administration Biden, non, dans souci pour qu'a bloqué une nouvelle règle qui visait pour capable protéger la vie privée, femme qui perdit Timounio. Ou bien femme enceinte, femme qui fait avortement, yo. Mesdames et messieurs. Donc, point c'est avec un pilote, nous pourrons laisser garder comment nous sommes capables de mesurer temps pour nous débattre, yo. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? Moi, j'espère nous en forme si nous avons regardé la vidéo. Ça. Nous, là, toujours, et nous disons, papa, bon Dieu, qui est dans celle-là, un gros merci parce que lui fait un cadeau, un jour en plus. Non, PAM, c'est MPH, Zami Miore le MP, et l'ENI MPP. L'autre boule, c'est que moi même. Y a cherché non pour yon bam. Donc chaque jour yon vous un nom différent. Eh bien, cherché non. Son plaisir, guys, mais même pour me passer me fournir non information. Fait qu'on content, son très bon week-end. Et this is the day that the Lord has made. Ou pral rejoice, ou pral glad. Non, jour si là. Chaque jour levé, son jour de bénédiction lié. Parce que c'est pas tout le monde qui gagne chance. Ouais, joue ça. Toujours faut qu'il se soit possédé. Donc, si faut qu'il se soit pas possédé, ou pas la joie dans le cœur. Mais là, il faut qu'il se soit gagné déjà en matière de bénédiction. Il y a pile raison, guys, pour qu'il soit content et matière. Pour qu'il soit content. On va aller dans le détail information yo. Et je ne sais pas si je vais répondre à une question. Yo, non? Donc, parce que je vais aller directement dans le programme Biden, il y a pile doute. En pile et doute, avec en pile inquiétude. Première étape là, m'a pas besoin de vidéo pour ça. Eh bien, c'est Gion Voice, yon sponsor qui relè yon USCIS. OK? Sponsor qui relè USCIS pour mande li comment dossier yé. Donc, pour qui ça? Nous pas gè doit passer Voice là, li pa recommandé. Li pa recommandé pour parler avec yon moun nan USCIS, n'a parlé de yon autorité immigration de toute manière. Et puis, oui, code voice là, ou oui, code conversation sans autorisation. Ça n'a pas légal, elle gagne prison la donne. Est-ce que vous entendez?
Donc li pas légal, li gen prison la dan. Là où il code voit un moun, surtout autorité américaine, ou ta dwe mande le permission pour faire ça. Mais zami, hein, pas te mande permission pour faire ça. Pas qu'on son cubain ou bien haïtien ou bien yon vénézuélien parce que c'est en espagnol. Yo te gen conversation enregistré. Donc yo pas te mande autorisation pour faire. Non même tout, donc nous pas capable passer voir alors sous plateforme. Donc qui ça bagala e? Qui sa situation li même lié mesdames et messieurs. Situation c'est que nous gagnons le moun nan rele USCIS et il pose question sous dossier autorisation voyage yo. Mais moun nan USCIS yo di yo pas connaît si toutefois et programme nan redémarre. Bagay ça la gen un gros trouble. C'est tout journaliste qui tombe à écrit kou li parce que c'est la vérité ça moun nan di an. C'est la vérité. Cette situation ça qui semble cause yon paquet moun malgré programme nan redémarrer mais moun yo pas recevoir autorisation de voyage. On dirait gon problème de communication nan gouvernement, un problème de communication dans plusieurs instances parce que gouvernement américain son bagay extrêmement vaste. Li extrêmement vaste, ça veut dire gen bagay k'ap régler ici l'autre baba même gen droit konnen le même. Donc, ça semble que l'autorité supérieure, yo prend une décision yo-même pour que yo ouvri programme nan vraiment. Mais malheureusement, moun kap travay ki dwe ban nou servis yo, moun yo pa recevoir l'ordre pour libérer autorisation yo, selon sa ki di nan information, nan voice qui a circulé en espagnol, surtout nan groupe WhatsApp, mais latino yi. Je te voye ça by journaliste espagnol yo pour yo tandel comment que USCIS dit li pa konnen si programme nan redémarrer. Yon agent kap travay nan USCIS li même et bien ki ta dwe ban nou detay et bien li pa au courant programme ça ko redémarrer. Alors si toutefois problème ça pas résoudre en pile moun pral obligé tande sans gat derrière et puis ça ou pa jam joine yon résultat, mesdames et messieurs. N'ap continue avec l'autre nouvelle qui semblait, lundi, l'autre information qui semblait, qui gen nettement ressemblance de ça, dame nan li même li dit, eh bien, dame nan li même li record et avec USCIS là. Ok? Donc, information ça vraiment gen ressemblance. Le ken gen application, nou konnen gen application. Et gagne yon site internet ça li même qui gagne yon application. C'est site internet ça qui connecté à US qui track. OK? Et de sa activité qui passé en dans USCIS. Site là gagne potentialité pour le capable track tout mouvement en dans USCIS. Qui ça capable wè dans site là? Yo kapabwe e quantité moun ki approuvé yo. Yo kapabwe e ki quantité moun ki approuvé, ki quantité moun ki pa approuvé. Yo également kapabwe ki le USCIS li voye san rele notification bay moun yo pou moun yo fè fingerprint la. OK? E donc sa n'ap gade la, li paraît yon catastrophe sa monsieur yo même yo découvri. Donc des moun qui toujours vle bay bon nouvelle avec communauté yo mais malheureusement yo rive découvrir que USCIS pas monté et USCIS pas descend. Donc faut que nous di vérité a partager vidéo ça tout pour rive joindre et ambassade américaine yo pour que yo partager. C'est que moun yo attend sérieusement tout moun attend pour que yo recevoir travel autorisation et nous di programme nan li même li redémarrer. Donc si toutefois programme n'a pas redémarré, pas faire moun connaît li redémarré. OK? Pas faire moun connaît li redémarré, au contraire gen pile journaliste qui t'a senti yo honte parce que yo te dit programme n'a redémarré, mais oui, c'est pas nous deal son bagay qui USCIS lui-même li publié. OK? USCIS publié, li publié de manière officielle sur website li. Donc c'est tout à fait normal
tout le monde qui est en ligne, by information, qui connaît by information sur le programme, non, c'est pour nous faire audience, nous connaît. Alors, le programme, non, il redémarre. Mais, t'assemblé, Jean-Abdoula, son fait redémarrer, qui n'a pas aucun résultat jusqu'à maintenant. Et quand il y a des gens qui ont croisé, qui n'ont pas approuvé, son catastrophe. Quand il y a des gens qui ont croisé, eh bien, qui gagne travel autorisation de longue date, mesdames et messieurs, travel autorisation de longue date, gen moun depuis janvier 2023, li gen travel autorisation depuis janvier 2023, ok? Depuis janvier 2023, li gen travel autorisation et jusqu'à maintenant, an yen pas marché pour travel autorisation depuis janvier 2023. Mal montre ou statistique yo, comment yo présenté, j'en ai dit wisit. Nous pas fait nouvelle nous bail et lundi on bagay faut li gen sous, OK, faut li gen sous on partage ensemble statistique yo donc plus ou moins ou capable gon idée. La nouvelle est en espagnol, même pral make sure que mette espagnol moins dehors pour me capable desservir ou même bon mon like sur après ce travail qu'a fait là. Entendez. Entonces nada, bueno, como ustedes saben, en el mes de agosto, sobre todo el día primero de agosto, fue cuando recibimos esta noticia de que habían detenido el programa Parole, etc. Donc, dans mitad mois d'août là, se les a notificado, donc Leo te vino a campear el programa Parole. Este día todavía teníamos algunas aprobaciones de patrocinadores. Luego, y malgré eso, no te quedan que algún que te aprobé. Todo esto se detuvo completamente, todas las aprobaciones, como bien hemos visto... Donc à partir de là côté à montrer là et yo vous commencer camper acá, complètement et las negaciones que son los rojos approuvé, oh. Sí se mantuvieron bastante continuo todos los días, era lo único que veíamos las negaciones. OK. Donc et bar qui en rouge, c'est eux même qui représentaient quantité monde, donc yo nié yo quantité monde yo pas approuvé. No tantas, pero negaciones en fin evidentemente son negativas. Donc c'est pas en pile mais et tout ça quasiment capable. Después de esto, bueno, el día 29 de agosto, este día por acá, fue que anunciaron, fue el jueves pasado, que iban a restablecer el programa de Parole. Donc 29 août qui se passe là, c'est les ça a été annoncé pour commencer le programa Parole. Ya restablecido totalmente el programa de Parole. Nosotros un día después, que fue día 30, el día 30, que fue viernes, vimos entonces que por primera vez en la aplicación vimos que empezamos a recibir notificaciones de appointments para las huellas dactilares. Et bien, un jour après, yo fin lancé ya, le jour le 30, qui était 30 août, et bien, nous commençons à recevoir notifications. Et notifications, ça, c'est moun yo voye notification by pour prendre rendez-vous pour aller faire fingerprint. Para los patrocinadores. Y vamos a detener un segundito ahí porque hay muchas preguntas sobre el tema de los appointments y las huellas. Y yo les voy a contar lo que hemos visto con estos 7 casos que recibimos el viernes pasado. Y como hay un poco de cuestión fingerprint, la puedo tener sobre eso. Pero la puedo decir 7 casos que yo recibí el vendredi dernier. Y por cierto, no hemos recibido más ninguno en estos últimos 2 días. Donc, en el dernier jour, yo no he recibido aucune notificación de aucun gran mundo que approuvé. Dio 2 días porque recuerden que el lunes fue feriado en los Estados Unidos, o sea, el lunes no estábamos esperando ver absolutamente nada. Donc lundi yo t'ai espéré bien que tu aies des jours qui étaient jours fériés dans pays hein, mais yo pas joué absolument rien. ¿Qué vimos en estos 7 casos? Número 1, habían patrocinadores que, bueno, todos estos 7 casos que llegaron en nuestra aplicación, los 7 eran personas que aún no estaban confirmadas, o sea, patrocinadores no tenían una confirmación hecha, sino que simplemente estaban esperando su confirmación de cualquier fecha. Teníamos personas que eran del día, o sea, del... Y siete meses, son de mundo que captan y una notificación en qué data. Del mes de julio, teníamos personas del mes de junio del 2024, estos 2 meses, pero también teníamos personas que eran de noviembre y de diciembre del 2023. Y no hay mundo, yo ya me llamé no hay mundo, quité la depuis en novembre à décembre 2023. Nuevamente, patrocinadores que todavía no estaban confirmados. No sabemos qué significa esto, si por ejemplo van a ser, porque nuevamente no han ofrecido lamentablemente ninguna conferencia de prensa a ningún medio. Donc, no va a conquistar qué va a pasar, porque malheureusement, yo pas jamais ofrecido aucune conférence de presse.
de noticias, y esto es lamentable porque muchísimas personas están esperando por saber realmente qué está sucediendo con el programa, ¿no? Yo pas jamais baro que nouvelle, donc son bagay qui lamentable parce que grand pile monde capte pour comprendre ça que passe avec programme. Pero bueno, esperemos que lo hagan pronto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que no sabemos si van a hacer, si para que te aprueben al patrocinador primero tiene que tomarse las huellas. La lógica indicaría que sí. O para que te aprueben el permiso de trabajo, el permiso de vuelo, disculpa, primero hay que tomarse las huellas. No sabemos. Donc, no pas fin con cómo se apralier. Ça veut dire pour yo aprouver mon enfant que tu as fait un point digital là, ou du moins, y a fait un point digital là après. Logique indiquée, donc mon yo t'a de faire un point digital là, même avant que yo approuve mon ça. N'a pas continué. En quel moment va a ser mandatorio esto de las huellas? Lo que sí sabemos es que. Donc, de toute manière, ça que nous connaissons, dossier en point digital, ça, son bagay cap yon obligation, ok? La pire obligation pour tout le monde, et ni ancien, ak, ni nouveau monde, yon tout. Qu'est-ce que c'est avec moi, en point digital? Non, sabemos si van a hacer, si para que te aprueben al patrocinador, primero tiene que tomarse las huellas. La lógica indicaría que sí. Bastante grande, es casi el 20% de todos los casos totales que hay pendientes. Yo decía, es que no veamos ninguno nosotros. Significa que realmente o están procesando muy, muy, muy poquitico y nosotros no vemos ninguno, que es bien raro, o realmente no están procesando absolutamente ninguno. Porque okay, mi mauvaise nouvelle, es que nous-mêmes dans l'application, nous parlons que USCIS li et processé even yon ka. Bon, li dit que, amen, bénéfice du doute, nous pas connaissons si yon processé des cas qui tellement minim, nous parlons yon, mais nan ka pa non nan dernier jour sa yon, nous pas jeune USCIS li possède ni un cas. Nuevamente, es bien raro que en una muestra tan grande no veamos ninguna aprobación de ni ningún otro tipo de movimiento. Donc nous pas aucun monde qui a prouvé, nous pas aucun autre mouvement qu'a fait dans le système. Entonces, esto es todo lo que hemos visto, o sea, este fue el viernes. ¿Qué sucedió después? Bueno, el fin de semana, evidentemente no hay movimiento, hay algunos casos ahí que quedan rezagados en las colas de ellos. Ese mismo día, viernes, vimos tres casos confirmados de patrocinadores. Esos tres casos, los tres casos que fueron confirmados ese día viernes, fueron del día 17 de enero de 2023. Recuerden que cuando terminamos cuando se detuvo el programa de parol en estas fechas acá, el día primero y el día 2 de agosto, cuando ellos se detuvo esa fecha, porque el 18 sí detuvieron los permisos de viaje, pero siguieron aprobando patrocinadores. Recuerden que hay muchísimas personas aún esperando un permiso de viaje. Específicamente porque siguieron aprobando para sus patrocinadores desde el 18 hasta el día 2 de agosto sin dar permiso de viaje, entonces se acumularon muchísimas personas. Eso lo vamos a ver también en unos minutos, Ale, okay, para mostrarle también a la... ¿Qué ha acumulado Captain hasta ahora? Autorisation de voyage, et puis devant, nous prenons USA. Il y a également parlé de, parce que ici en Amboïsien, c'est là que il y a toute notre, ça veut dire tout le monde qui a approuvé, ça qui n'a pas approuvé, ça qui a fait notification, ça également, captain, autorisation de voyage, etc. Je vais essayer d'avancer pour me montrer une série d'informations qui sont plus importantes. Es raro incluso porque, según lo que... ¿En moment? Confirmaron el caso hoy. Lo interesante es que esta persona le confirmaron el caso, pero aún no le han mandado a su patrocinador. Pertenece a un haitiano. Es el día... Ok, voilà. Hoy, por ejemplo, que sucedió hoy, bueno, hoy vimos, luego desde el viernes pasado, en lo que tuvimos tres aprobaciones, bueno, hoy vimos una aprobación. Hoy vimos... Et hier, qui c'était donc le 5 septembre, donc il y aurait tout vendredi, samedi, dimanche passé pas gagné. Hier, il y aurait si joint, il y a un grand monde qui a approuvé, et grand monde ça sont haïtiens. Ok? Donc ce jeune, un grand monde qui a approuvé hier, entendez? Le jeune, un grand monde qui a approuvé, sorry guys, et pour jouer ça, qui s'est fait avec moi, ou qui a approuvé, mais soit haïtien. Veamos muchas más aprobaciones, Dios mediante, pero hemos visto una sola aprobación. Esta aprobación pertenece a un haitiano, es del día 27 de julio de este año. O sea, esta persona aplicó el 27 de julio de este año y Munza, que es haitiano, le hizo aplicación el 27 de julio. Le confirmaron el caso hoy. Y yo confirmé que la
hier, qui c'était le 5 septembre 2024. Je vais demander à Haïtien ça à contacter, Green Haïtien ça qui recevra notification qu'on va pouvoir y écrire-nous pour parler avec nous. Lo interesante es que esta persona le confirmaron el caso, pero aún no le han mandado a su patrocinador la cita para las huellas. Donc, ça qui est intéressant, c'est que Green Moon, qui c'est haïtien, l'y a prouvé, mais il n'a pas envoyé notification. Il n'a pas envoyé notification by Moon qui te fait application pour l'IA pour être capable et pour capable à le faire un point digital là. Es interesante porque, bueno, quizás haya que mandarle entonces la cita para las huellas antes de aprobar el permiso de viaje. No sabemos, o sea, no sabemos. En qué momento exactamente? Yo diría, o sea, nuevamente la lógica me. Donc, n'a demandé est-ce qu'il y a envoyé une notification pour le faire en point digital là, avant de recevoir et permis voyage là? Là, nous pas connaît. Indica que para yo aprobar un patrocinador, yo tengo que tomar la huella de ese patrocinador. Normalement, avant yo approuver un sponsor, yo t'a dû faire un point digital là. En este caso, en particular vimos tres confirmaciones donde no lo habían tomado la huella, lo mismo que vimos acá también. En el caso del 30 de agosto, vimos tres confirmaciones. Donc, dans 30 août, yo te joint trois grand monde tout qui t'ai approuvé et c'était même bagala, trois monde qui t'ai approuvé et puis OK, qu'est-ce qu'on confirme? Donc, trois monde qui t'ai approuvé et malheureusement, et yo pas demandé monde ça ou non plus pour yo te faire un point digital. Confirmaciones que todavía no habían tomado las huellas. Quizás se la tomen para el permiso de vuelo, no sabemos, pero sabemos que el permiso de vuelo es algo con CB1 y es directo, ya ahí el patrocinador no está involucrado, ahí es directo. Directamente con el familiar, ¿no? En Cuba, en el país que se encuentra en ese momento. Entonces, digo, está bastante todo, Ale, bien raro. Y lamentablemente, USCIS no ha dado todavía ninguna explicación de cómo realmente están. Donc, tout bagay vraiment raro en dos sistemas USCIS là. Et ça qui est lamentable, c'est que USCIS toujours pas bay mon aucune explication de ce qui a passé. Están operando, hombre. Se le ha escrito muchísimo, nosotros en Médico le escribimos también y no nos han dado respuesta. Entonces, yo mismo également, yo he escrito USS, me USS, bye bye, aucune réponse. Claro, todo. ¿Sí? Quería preguntar. Donc, pas oublier que M. Relé Angel et une application qui est Inmiguit, ok, Inmiguit là, c'est une application qui track, eh bien, toute application qui est dans USCIS. OK, donc l'application ça, moun capable télécharger pour ka vérifier statut dossier également. Donc son gros technicien cap parler là, ça veut dire des moun qui suivent à la lettre déroulement programme parole humanitaire là. Des moun qui est intelligent et qui te prévoit parole ça pral gon impact et puis yo te met un système en place pour capable bail communauté au service pendant qu'a bail communauté au service en espagnol, non même n'a profiter pour ti l'oseille également. El caso de los permisos de viaje, eso no ven todavía ustedes tampoco que estén entregando permisos de viaje atrasados. Para nada. Y eso no. ¿Saki qué puede haber permis de voyage que en retardo? ¿Es que jusqu'à maintenant et pas de mouvement sur ça? Ça, información, ça, me conseille ma dernier point et me le montre comment bagaille un petit gens triste la matin et puis pour nous gare. Preocupación muy grande, lo estábamos comentando también Ale, tú y yo la semana pasada acá en la directa. Nosotros tenemos ahora, me metí con la aplicación, unas 4.699 personas esperando por un permiso de viaje. ¿Tale? Donc, actuellement, en la aplicación, yo gagné un montant de 4.699. No que ha dicho 4.700, 4.699 moun captan autorización de voyage. 4.699. On m'a dit sensiblement égal à 4700 moun captain autorisation de voyage. En entend depuis qui date moun se captain? Sí, 4699 personas wow. Están esperando por un permiso de viaje. No solamente del mes de julio finales, que es cuando realmente más personas tenemos, porque nuevamente dejaron de dar permiso de viaje y continuaron aprobando patrocinadores. Donc ese mois juillet, no hay plus moun. Nous avons 1859 personnes dans le mois de juillet. C'est à partir de là que nous avons suspendu l'autorisation de voyage et puis les programmes dans les métiers de Vatican. Là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, nous-mêmes, il faut que nous continuions à prier. Mais nous avons aussi des personnes qui sont esperando un permiso de voyage depuis enero de 2023. Donc, si nous regardons, en même temps, il y a 11 personnes. Si vous regardez là, il y a 11 personnes qui ont obtenu travail l'autorisation. Depuis janvier 2023. Depuis janvier 2023, il faut que j'aime jouer à l'autorisation.
tenemos 11 personas en ese caso, tenemos también 16 personas en febrero, tenemos 18 personas en marzo, 22 en abril y así sucesivamente tenemos personas en cada uno de los meses desde que abrió el paro. Para los que se extendió el programa para los cubanos, etc. Entonces, no te sabría decir, evidentemente, claro, porque hay tantas personas esperando, pero la realidad es que solamente en nuestra data, que hay una población pequeña, una muestra pequeña de la población en sí, tenemos esta cantidad de permisos de viaje, casi 4.700 por aprobar, así que nada, está bastante. Bastante feo, ¿no? El panorama en ese sentido. Donc c'est très led, Jean Panorama, li montre bagayo la, ba yo très led. Donc ça veut dire gen pile moun k'ap tann chou avan l'autorisation, environ 4700 moun ap tann chou avan yo pa jwenn. Et nan dernier jour, yo pa approuvé absolument moun, son seul green moun yo approuvé, c'est yon haïtien et gen pile moun ki recevoir email not confirm. Mais après ça que selon expert yo programme n'a pas bougé actuellement en dans USCIS, mesdames et messieurs. Donc là, c'est que Mounio doit repenser avec ça parce que nous disons nous redémarrer le programme, non? Sinon, nous redémarrer le programme, non? Fel, j'en sais. Oui, c'est bon. Sí, son malas noticias, la verdad, porque muchas personas pensaron, o incluso yo pensé también, que cuando anunciaron que se reanudaba el programa de parol con las restricciones y con los chequeos, ¿no? Con más chequeos, etc., parecía que ya tenían todo listo para comenzar, pero parece que no. Donc, c'est de très mauvaises nouvelles parce que un peu le monde a pensé, le USCIS a démarré le programme, non? Donc, tout le bagage était prêt. Mais ça semble un gros problème. Il a dit qu'il a démarré, certes, mais il n'y a pas encore prêt vraiment pour le redémarrer. Et combiner ça avec l'information que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui t'a fait connaître que eh bien moun k'ap travay nan USCIS yo di yo même yo pa au courant si programme nan redémarrer. Yo même k'ap travay, yo même k'ap fè job la, yo pa au courant si yo kapab ba autorisation de voyage. Donc là m pense gen problème communication et ou pa bezwen inquiété ou gen moun ki deja parti à l'encontre de ça pour joindre yon explication. OK, pour yo joindre yon explication. Bien que nou konnen vi ak tout changement sa yo, c'est pas pile moun pap kal approuvé, j'en sa te kon fait encore. Parce que nan bagay finger point, bagay sa yo, so sa yo pou un paquet de temps, gaspille un paquet de temps. Mais, et vole yo, pou n'di merci. Et moun ki ba sérieux yo, pou n'di merci. Yo ban nan bagay gratis. Yo pa pren kop nan men nou, nou même nou pren sa yo bay gratis la, pou nou vann pou gros kop pou nou fè million on sel coup. Yo fait un cadeau gratis. Yo fait un cadeau gratis. Et puis nous même n'al vendre pour des millions. C'est voler aux méchants yo qui mettent dans tout problème ça nous là. Je ne jodi. M'espère que administration et USCIS différents départements concernés mais y a pris note et puis bah là lui-même l'a branché. Mesdames et messieurs, et l'information continue, nous pas prêter là net, n'a obligé un bien et camper dans domaine ça matin pour nous cap mélanger information yo. J'aime te annoncer ou ça, un jeune garçon qui gagne seulement 14 l'année, mais monsieur a l'arrivé fait premier zak malhonnête dans l'école Georgia. Jean cap garder là. Et mais c'est jeune homme ça qui est le Gray, et bien c'est lui-même qui fait et l'après monsieur le Colt Gray. Donc c'est le premier jeune garçon qui prend un zam papali, et bien qui prend un zam papal, qui rentre dans l'école, qui tire sur tout camarade Lio. Il t'a annoncé ça depuis l'année 2023, l'année dernière. Il tire sous camarade Lio, il y avait 4 mouns, il y a 2 professeurs qui mourent, il y a 9 mouns qui blessés bien mal, d'après et sa Gray lui-même l'y fait. Donc, Gray est arrivé maîtrisé par force de l'audio. Le monsieur te la police a examiné, il te déposé examen et il te couché plate à terre. Tu vois ce que je veux dire? Lui-même, il pas voulu mourir. Il est couché plate à terre et puis la police est arrivé arrêté. La police maîtrisé lui.
Koulia là et de jeudi vendredi hein, monsieur apparaît devant tribunal jeudi vendredi qui c'est 6 septembre 2024 là. Et bien on va mettre la patte sous papal qui c'est Colin Gray qui gagne 54 l'année qui gagne 54 l'année lui-même. Qui ça yo accusé papa? Yo t'a fait connaître que monsieur Gray il te permet petite li sciemment et utiliser zam ça qui sont AR qui sont type AR qui te nan million zam semi automatique. C'est avec zam semi automatique ça li rentre dans l'école là et puis il fait dégâts. Donc papa il te connaît li gen zam nan et papa libéralement et bien te ba monsieur droit pour que le capable utiliser zam nan. Col Gray 14 l'année. Il était inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre et l'a jugé en tant qu'adulte. Comme yon adulte, c'est sa responsable yo, yo même yo déclaré. Enquêteur dans l'État Georgia et dans le comté Baro, yo affirmé que Jeune Gray était utilisé yon zam de type AI. Et puis yon fusil automatique ou bien yon fusil automatique pour capable mener attaque là au coup. Et te gen 2 enseignements. Et 2 étudiants qui te rivé perdu la vie qui te boit de l'eau bouche nan attaque si là. 2 enseignants et 2 élèves et 9 blessés yo donc yo l'hôpital y a prend soin et tout de suite nous pral joindre Colin Gray qui gen 54 l'année qui c'est papa Col Gray et bien la police mettait la patte sous le tout. La police posait la patte sous monsieur et puis Bali en pile accusation criminelle mettait sous dol côté que lui-même tout l'a gagné pour le prendre en prison. Et expert yo avec défenseur de sécurité ami yo fait déclarer que l'affaire du Michigan c'était une mesure importante pour que parents yo de qui gagne zam a fait rendre davantage responsable de la violence à l'école menée par leurs enfants. Si ses parents qui gen zam nan et ti moun nan utilise zam sa la le fait ça la le fait à l'école fait massacre l'école là c'est zam papa le gagner papa doit pini parce que c'est irresponsabilité papa qui cause moun sa yo perdu la vie yo. Mauvaise nouvelle yo multiplié matin non gen ti Biden c'est n'a parlé de petit garçon Joe Biden non Hunter Biden, aimé hier, qui acceptait plaide coupable, mesdames et messieurs. Après un blême de 11 heures de suivi d'heure et de querelle, donc hier jeudi, Hunter Biden plaide coupable de 9 accusations qui liées à la fiscalité, qu'il n'a pas payé taxes pendant des années pour des millions de dollars. États-Unis juge district Mark Scarry li accepté plaidoyer culpabilité et Hunter. OK, Hunter Biden non bien sûr toute annonce yo qui réalisé jeudi an, j'ai pas poser monsieur question, est-ce qu'elle est d'accord pour plaider coupable et serviteur t'a pas dit oui. Et peine yo prononcé dans affaire ça, yo prévu pour le début du mois d'octobre bien sûr. Le début du mois d'octobre, donc pour connait qui peine. Yo pral bay monsieur a, est-ce qu'elle a prend tout en prison? Est-ce qu'elle pas prend tout? Est-ce qu'elle a gon liberté qui limité? Là ce bagay n'apton. Qui ça et monsieur li ka prend jusqu'à 17 l'année de prison? N'a parlé de petit garçon Joe Biden non, monsieur ka prend jusqu'à 17 l'année de prison et comme maximum c'est 17 l'année lié et li ka prend et puis li gen pour le payer 1.3 million de dollars. 1.3 million de dollars comme amende coûte pour taxe li pa paye yo et bien mesdames et messieurs dans pays États-Unis. Hunter Biden ou connaît monsieur était déjà plaidé coupable pour moun qui te gen zam nan men et men li plaidé coupable encore pour moun et bien yo di yo rencontré nan produit stupéfiant etc. que li même avec papal qui c'est président Joe Biden t'a impliqué. Donc monsieur ya d'après déclaration li fait on poste li fait après yo fin condamné après qu'elle fin plaide coupable là monsieur fait connait c'est pour famille li fait ça parce qu'elle pas veut famille à payer coup cassé ça que lui même li fait manque de discipline. Monsieur te prend cob tax ça yo dit au lieu de payer taxe et bien li te prend cob yo li t'a joui la vie
paye bel hôtel et couche femme sous femme, achete belle machine. C'est ça, monsieur était fait avec Cobb Silayo. Donc, il va payer en partie 1,3 million de dollars intérêt. Donc, je pense que c'est sous Cobb, il était déjà dévié pour l'État. Il va payer intérêt Sila. Jouet pour Joe Biden, jouet pour petit garçon. Alors, il dit, c'est pour famille, il fait sacrifice Sila. Toujours dans le pays États-Unis, nous avons le président Donald Trump lui-même, l'hypocophine clé sous dossier débat avec Kamala Harris. Là, on parle avec membre équipe, yo t'a fait connaître Donald Trump fait débat chaque jour. C'est ça, on dit. Donald Trump fait débat chaque jour parce qu'il est toujours prêt pour le rencontrer avec public là, pour informer public là et pour parler avec public là. Et bien, moun responsable campagne yo fait connaître Donald Trump lui-même, c'est chaque jour li rencontrer. Et yo pas clarifié s'il va parler dans le débat. Est-ce qu'elle va parler du tout? Et c'est pas ça que yo dit, yo pour qu'on a confirmé ça ensemble avec nous. Mais débat 10 septembre non, et bien, Donald Trump l'hypoco vraiment, vraiment clair. Sous dossier si là, mesdames et messieurs, quand on connaît Trump là, l'a joué perdu, et bien, il est très compliqué, non mais Donald Trump. De quoi figure ça, monsieur ça, c'est lui-même qui relève, et tout ça, et King Paxton, nous avons changé King Paxton. King Paxton, c'est tout ça qui a mené le programme, non? Eh bien, la justice là, King Paxton, ça, ils sont pour gongon pour le Parti démocrate là. Son ex, c'est toute journée, il fait le Parti démocrate là, campé là, dans ligne pour aller paraître devant juge et puis pour aller traiter dossier. Monsieur Ali Sou, une autre fois encore, eh bien, président Joe Biden, administration Biden, non, monsieur a ta fait connaître, parce que gon loi qui sorti, côté que président Joe Biden li interdit, par exemple, pour docteur, yo, le yon moun al fait avortement, la le retire petit li, pour que docteur pa divulguer et document dossier Mounza, ok, ou bien et casier sanitaire Mounza. Républicains ont refusé eux-mêmes depuis qu'ils ont besoin de faire joindre. Donc selon l'administration Biden, son vie privée liée, l'État doit être privé. Là, il y aurait les Joe Biden, la justice pour Joe Biden lui-même, lui capable de résoudre problème ça pour la justice résoudre problème ça, retirer droit Moun yo gen pour protéger et vie privée yo. Ça. Dans le monde espagnol, ça a loco. Anthony Blinken, il promet la baye Haïti en l'autre 45 millions de dollars, mesdames et messieurs. Et il continue de demander plus de fonds pour moun capable aider pays. Et il demande plus de pays, baye le bras, parce que c'est seul yo même qui sont censés être là. Et pas gen kob encore. Donc, le tenant pays d'Haïti, il a parlé en pile cause, il a cause, il a confirmé, Anthony Blinken, il a confirmé, il a négocié pour changer force MMSS là, qui est dans le pays d'Haïti. Ok? Donc, il y a force multinationale, eh bien, pour sécurité, whatever. Mais il a dit force ça, il a changé nature, pour y'a fait tout l'autre ministre. Jean Tegen en Haïti. Ça veut dire ministre ta doit retourner Haïti. Anthony Blinken dit koul rive là, li pral chita parler avec l'ONU pour changer natif force là en l'ONU. Pour qui raison yo dit puisque natif force là par l'ONU qui voyel son président qui bail appui, mais n'importe qui l'est bagay sa kap krasé. Si président pas là encore, pas gen subvention parce que ce sont des subventions personnelles et ta fait qu'on a problème ça c'est tout le monde qui doit mettre ensemble qui pour résoudre problème ça, mesdames et messieurs. Ça qui est étonné dans déclaration qui fait hier yo, c'est hier d'après le temps que nous tout connaissons, te poser une question ça, combien moun nous connecté gen Haïti, combien Kenyan? Yo te toujours dit c'est 400, mais c'est yem bral konnen et c'est 380, pas de jam gen 400 vrai. Ça t'a vle dit mesdames et messieurs, et gouvernement haïtien, m'pa comprendre, est-ce que c'est de bonne foi et yo parler avec peuple là comme ça, y mal informé peuple là ou du moins c'est connait yo pas connait que c'est 380 qui t'est venu en Haïti. C'est 380 parce que nous t'a compté lui est environ 600 ou 700 parce que y a 1100 pour voir yo même et bien mais pas gain 400 vraiment ben c'est 380 policiers kenyan qui nan pays. Donc li important pour yo suspendre bay menti ça yo suspendre bay menti ça.
L'autre point de souligner dans la déclaration Tony Blinken, sorti 2021 pour 2023, mesdames et messieurs, il a fait Haïti cadeau 800 millions de dollars. Il a fait Haïti cadeau 800 millions de dollars, qui manquait 200 millions de dollars seulement pour le capable faire 1 milliard de dollars. Alors, Haïti gen ressous pal, Haïti gen kobli, Haïti gen façon de faire kob pal. Mais yo fen cadeau ça pour aider moun, pour bay sécurité, 800 millions. So 2021 rive 2024. 800 millions. Côté l'agence a passé, nous pas konnen. Donc ça veut dire, gonse de kob Haïti a recevoir, ce sont des kob qui te ka fè pays a avancer bien rapide. Mais mal fra yo, yo pren kob yo. Yo regle rose yo. Et ça vraiment, li vraiment troublant. Li vraiment troublant. Et pour nous tende, en situation comme ça, ap développer dans le pays. N'a pas recevoir kob moun, et nous pas fan yen. Mais yo continue pour mettre, y a ba Haïti yon lot 45 millions de dollars encore, pour Haïti li même, li ka continue goumè avec insécurité ya. Anthony Blinken li confirme que la guerre a dû aller dans kan gang yo pour te bataille la bay gang yo. Li mentionne de ces corruptions tout qui en dedans y a dégagé pour capable retirer mauvais grain yo. Si toutefois on découvre que monsieur yo accusé comme moun qui dans corruption, yo veut joindre yo dans corruption également. Si yo pas joindre dans corruption, y a retourner la caillou, retourner en fonction yo, l'état ta doit même dédommager yo. OK, l'état doit même dédommager si yo joine toute bagarre OK pour yo mais li rare. Alors, nous pral tande et point de presse également gouvernement les mêmes li te bay après que yo te fini rencontrer avec Anthony Blinken. Donc là on fini rencontrer avec Anthony Blinken, yo même yo te gon point de presse. OK, là on bail tout détail. Bienvenue ça, à ce mais point. Mais ça c'est détail payo. OK, ça c'est détail payo. Et gars les blancs fils, les mêmes li te bail c'est petit détail payo. Jean yo comprendre ba là, Jean yo dit ba là les mêmes li fait. En attendant, Edgar les blancs fils qui t'a bail et détail qui ça t'a discuté avec Anthony Blinken. Mesdames et messieurs, pendant ce temps, ou même au compte qui ça me remet déjà, vide yon like en bas vidéo là. Edem partager tout côté, OK, job pam c'est kimbio informé. Faut toujours quitter question non, leur faire question, toujours mettre point d'interrogation en balle, c'est comme ça m'app connaît et bien et ou même c'est en question qu'on pose. Entendez ensemble. Bienvenue à ce point de presse que le président Edgar Leblanc fils vous donne tout de suite. Le président Edgar Leblanc fils. Bonsoir. Comme nous connaissons, après-midi, tu as eu une rencontre avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken, accompagné de secrétaire d'État adjoint, M. Bryant, et d'autres membre de la délégation. Dans l'échange ça avec le secrétaire d'État, OK. Nous t'ai gardé principalement point concernant situation sécurité, hein, préparation qu'a fait pour arriver dans l'élection et entre les deux comment processus de mise en place différents organes accord 3 avril a marché. Comment l'État général là hier. Et sous point ça, particulièrement question sécurité qui était très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sous première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale là, et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous voulons gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains,
comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage la capacité à police là et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qui l'a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qui l'a eu, ils ont un peu timide dans l'avancement étant donné que ils ont déjà gagné un renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, là, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est les gens qui voulaient qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand. Côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagné réflexion qui a fait, gagné contact qui a pris sur comment donc changer statut mission ça qu'il a, de mission non-onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement-là, l'Elvini sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour forces panouillées, eux-mêmes, pleinement en mesure pour assurer sécurité. Jodi, dans la bataille contre gang, demain, non, sécurité normale sur tout pays. Hein. Et c'est peut-être ça, nous clairement partagé avec le secrétaire d'État, que si statut mission a changé, c'est une bonne chose, dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit être inscrit dans un délai limité, de manière à ce que nous régler question par rapport à Gangyo et après c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure sécurité en dehors de tout appui. Nous pas venir là pour nous refaire, nous pas pour refaire mission l'ONU qui était fait soit qui était fait 7 ans. Non, nous avons une mission bien limitée qui renforcer et police et ça. Ça c'était sous question sécurité. Et en même temps tout, nous faisons remarquer que question sécurité est tellement primordiale que faut nous régler pour nous capable de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois, préparation qui t'a fait en contact avec les entités qui chargées pour présenter membres dans le conseil. Là. Ça a avancé, mais l'avancé très lentement parce que société noire est disloquée. Société noire, plein de problèmes qui fait que l'entité en eux-mêmes n'est pas capable de jouer un consensus. À l'exception, au tout début, de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS Journalistes qui étaient rapidement désigné leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous quitter à la fin du mois d'août pour nous te présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec et détermination, membres conseil présidentiel, le bon côté entité SAO, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la réunion du conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEPA. Nous espérons entre jeudi et prochaine réunion du conseil des ministres, les autres deux autres abgentants. Météo ensemble, choisi, les salaires complets, mais même s'il n'est pas complet, concernant, il y a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que vous commencez le travail. Parce que pour le travail, pour le préparer machine électorale. Là. Pendant que le comité pilotage, conférence nationale, là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a travail pour que. Réforme constitutionnelle qui est en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEPA lui-même lui a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter le délai de transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre CEPA et question de sécurité, OK, tu gardes aussi comment
transition a marché dans la mise en place différents organes à Côte d'Ivoire et aussi comment au niveau concernant l'hypothèse maintenant vu que gagné on a dit là un mauvais vent qui a passé ces vents d'allégations de corruption qui frappait concernant qui comment ça affecte concernant et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté conseil là, fait que gain difficulté pour que nous avancions bien, j'en ai commencé. Hein, mais, comme on était dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gain une instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, hein, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce qu'elle produise un rapport. Et maintenant, que les trois conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à ULCC et engager eux à travailler avec ULCC pour que la vérité les fête. En ce sens, nous dit encore, ULCC maintenant, les éléments pour que pour le produire un rapport. Et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil là pour que le conseil là capable de décider pleinement en toute autorité sur la question car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous entendons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, je fais remarquer que la question de sécurité est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, j'en prouve la dit, voisinage, c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question de sécurité, hein, il est établi par rapport officiel. Gagnon, yo joignent moyen pour que yo gagne des armes, pour que yo gagne des munitions à partir de trafic qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour que avec le gouvernement américain pour y intervenir de manière à faire en sorte que trafic ça y campe et le ça même si yo gagne des armes sans munitions et bien bon bout de fer en main yo. Et comme entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil du présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire, dans tout le pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que nous avons eu après-midi avec le secrétaire d'État américain Blinken. Nous devons partager ça avec la presse, nous sommes très contents que nous l'avons et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nouvelle l'an passé. Clairement, ça que tu dis, ça pourra le faire. Merci en pile. Merci, M. le Président. On va prendre. On prend une seule question. Oui. OK. Une seule question. Je ne pense pas que tellement ample et clair que pas de question, mais une seule question, c'est une toujours bien. Une seule question. Bonsoir tout le monde, bonsoir Président. Nous attendons avec attention différents points qui étaient dans la discussion yo, entre le conseil là avec le secrétaire d'État Anthony américain, Anthony Blinken. Donc, il y a une information tout à fait quoi que dans l'échange, il était soulevé question pour écarter trois conseillers qui étaient impliqués dans le scandale de corruption dans BNC. Est-ce qu'on a confirmé pour nous, du moins infirmé, et très beau pour nous connaître en réalité. Merci. Pas toi et Guinée dans la salle à côté de moi, parce que pas tant de questions, ça me trouvait que Guinée a plus d'informations passées. Dans la compte que je suis avec le secrétaire d'État, pas de questions ça qui étaient posées. J'aime ce t'expliquer là. Nous, tu parlé avec eux de la situation générale et comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, nos trois conseillers, eux-mêmes volontairement rencontré avec l'ULCC et nous demander à ce que l'ULCC continue en toute indépendance, à faire travailler, à produire rapport li, et rapport ça à cap éclairer tout le monde, en particulier conseil là. Et pour conseil là, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est condamné à l'avance non plus. Merci. Merci, chers amis journalistes. Merci aux médias. Et à la prochaine. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir,
qui marquait souscribirme, ça c'est espagnol. S'il est en anglais, il a marqué subscribe. S'il est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Lorsqu'on clique sur lui, on voit qu'on a une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, on voit l'on abonné automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retire flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.